بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلي اللهم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين وعلينا معهم في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله أما بعد فما زلنا بتوفيق الله عز وجل مع مختصر سيد خليل بن إسحاق المالكي المتوفى سنة 776 للهجرة. أما بعد, nous étions toujours avec le Mukhtasar de Al-Sayyid Khalil ibn Ishaq al-Maliki, décédé en l'an 776 de l'Hégire, que Allah Ta'ala l'agrée et nous fasse profiter de sa science ainsi que de la science de ses chouyours. Nous sommes arrivés à la feuille numéro 8. L'auteur, Rahimahullah Ta'ala, dit ce que l'on n'utilise pas. Il est interdit à l'homme d'utiliser ou de porter un embellissement en or ou en argent. Cela, même s'il s'agit d'une ceinture ou d'un équipement de guerre. D'accord, l'auteur, rahimahullah, après avoir mentionné certains vêtements que l'on ne peut pas porter avant d'aller dans la prière, parce que la personne, elle doit se préserver de l'impureté, il mentionne ici quelles sont les choses que l'on ne porte pas, même en général, en dehors de la prière, d'accord, en raison de la coïncidence qu'il y a entre ces deux choses-là, le jugement d'interdiction qu'il y a entre ces choses et ces choses. L'homme ne peut pas porter un embellissement, quelque chose qui est utilisé en soi avec le but de l'embellir lui, en tant que vêtement ou accessoire. On parle de l'homme ici, c'est-à-dire l'homme pubère, al-baligh, celui qui a atteint la puberté, comme celui qui, par exemple, a une sortie de sperme, manille. Ou celui qui, sans avoir eu de sortie de manie, a atteint 18 ans lunaires. Car évidemment, c'est lui qui est concerné par une interdiction, puisqu'il est pubère. Quant au jeune garçon, celui qui n'est pas encore pubère, eh bien, il n'a pas de responsabilité sur cela ou sur quoi que ce soit d'autre. D'accord ? Le jugement maintenant, s'agissant du tuteur, comme son père, qui lui fait porter de l'or, eh bien, c'est le caractère détestable. C'est détestable au tuteur, donc au père par exemple, de faire porter à son garçon, qui n'est pas pubère, de l'or. Mais s'il lui fait porter de l'argent, pas de l'or, mais de l'argent, donc l'argent métal. Dans ce cas-là, ça n'est pas déconseillé. Ça n'est pas déconseillé. Quand on dit un embellissement, ici, on parle de quelque chose, comme nous l'avons dit, qui est utilisé avec le but de l'embellissement. La personne, elle le fait non pas par besoin ou selon une excuse que nous allons mentionner. Que ce soit en or ou en argent, elle n'a pas le droit de le faire. La personne de sexe masculin qui est pubère. Même s'il s'agissait d'une ceinture, d'accord, qui est un accessoire, ou un équipement de guerre, comme un glaive, d'accord, cette lame, ou bien une lance, ou un bouclier, ou une selle de cheval, ou une cravache, ou quoi que ce soit d'autre, il ne peut pas contenir de l'or ou de l'argent. Sauf certaines choses que l'auteur, rahimahullah, a mentionnées ici. Le volume du Qur'an, al-mushaf, car le but ici, c'est d'embellir le Qur'an, le mushaf, le volume du Qur'an, et non pas la personne elle-même qui porte cela, en tant qu'accessoire ou en tant que vêtement. C'est une chose qui est louable d'embellir le Qur'an. Glorifier la parole de Allah Ta'ala, c'est quelque chose qui est souhaitable. L'épée aussi. L'épée, c'est une exception ici des accessoires qui sont permis à l'homme s'ils contiennent de l'or ou de l'argent. L'épée, si elle est embellie d'or ou d'argent, l'homme a le droit de la porter. Un nez de remplacement. Si quelqu'un, par exemple, doit subir une opération, ou quelqu'un a son nez qui est fracturé, ou son nez a disparu, son nez a été... Il y a une ablation du nez, pour une raison ou pour une autre, comme un combattant de guerre ou autre. Mais évidemment, à notre époque, c'est quelque chose qui se fait de manière plus rare, le fait d'avoir une prothèse en or ou en argent de son propre nez. Mais tout de même, c'est permis, car la personne, si elle veut remplacer son nez par quelque chose de joli et de résistant à la corrosion, comme l'or, elle peut le faire, c'est permis pour elle. Une attache dentaire aussi, c'est une exception. La personne, si elle est de sexe masculin et pubère, elle a le droit de porter cela si c'est en or ou en argent. Pour une dent qui a été comme
démise, une dent qui est tombée, une dent qui est pourrie. De même qu'une bague en argent, cette célèbre exception que l'on connaît tous pour l'homme. L'homme, il porte la bague en argent, il peut le faire, et c'est même une sunna. Tant que la personne ne le fait pas par ostentation, elle a le droit, et c'est donc plus que l'absence d'une interdiction, c'est une sunna, si la personne met l'intention. Et elle le porte à la main gauche. Elle porte cette bague à la main gauche, dans l'absolu. Donc dans l'absolu, ces exceptions-là. Et il n'est pas permis à l'homme, cette bague-là, que l'on vient de mentionner, dont une partie est en or. Même peu, donc même en faible quantité. Ça, c'est la parole, la parole de Cheikh Khalil, radiyallahu anhu. Mais ce qui est mu'tamad, ce qui est fiable, comme le dit Ahmad al-Dardir, c'est la détestabilité, non pas l'interdiction. Al-Karaha, la détestabilité. Si cette quantité d'or, elle est faible, ça n'est que détestable, ça n'est pas interdit. D'accord? Et bien entendu, ici, on dit, si la quantité d'or, elle est faible sur la bague d'argent. Si la quantité d'or, elle n'est pas faible, ça reste interdit. D'accord? Et la personne, si maintenant elle a une bague en argent, elle ne doit pas multiplier ses bagues, elle n'en a qu'une seule. D'accord? Elle n'en a qu'une seule, elle ne va pas en avoir deux, ça, ce n'est pas permis. Et pour rappel, ce qui est détestable, ce qui est déconseillé, détestable, makrouh, c'est ce qui, si la personne l'évite avec l'intention, eh bien elle a de la récompense. Mais si elle fait cette chose-là, elle n'est pas menacée d'un châtiment. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam wa ahkam.